Coucou Minou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, ça fait quelques jours que je me suis cachée, j'ai rasé les murs, parce que voilà, tout ça c'était bien désenflé, il n'y avait plus rien, c'était plat, et ça y est, c'est revenu. À cause d'une seule petite pain au chocolat que je me suis permis il y a trois jours environ. Vous vous rendez compte à quelle vitesse que ça va? En deux minutes, on peut démolir un travail de deux mois. Et après, ça met des semaines pour se remettre comme il était avant. Mais c'est pas étonnant. J'ai des excuses. Je vais vous montrer ce que je mange tous les jours depuis deux mois. C'est pas étonnant que j'ai cédé à une petite tentation. Alors, regardez. Je commence d'abord toujours les fruits. Bananes ou pommes ou ce qu'on veut. Et ensuite, bien sûr, tout le reste, c'est cru et c'est des légumes. Alors, céleri nature, comme ça, il n'y a pas d'assaisonnement. Un avocat, poivron rouge, une tomate, une poireau, toujours nature, comme ça, et deux gousses d'ail, voilà, de l'ail, vous voyez. Et bien sûr, pour les protéines quand même, on n'est pas des sauvages, un œuf. Après, bien sûr, les fermentés, le kéfir, et à volonté les amandes, les noisettes, ce qu'on veut, des fruits secs. C'est ça qui donne un petit peu de force. Pour le reste, eh bien oui, c'est hard, hein? C'est vraiment hard. Bon, le résultat, il y est. Alors, chaque fois, lorsque les gens ils me demandent des conseils, comment je fais, ben j'ai dit voilà, non, c'est pas bon ça. Nous, on préfère le ratatouille, le beefsteak frites, un bon pot-au-feu, tu te rends compte avec le froid qu'il fait et tout ça. Elle dit, le plaisir de table, ça sert à quoi de vivre 20 années de plus si on n'a pas de plaisir? Je dis, oui, vous avez raison, mais j'ai dit, là aussi, à discuter, quel plaisir. Le plaisir de table, ça dure demi-heure, une heure maximum. Et après, pendant le cortège de maladies pendant 48 heures. Les jambes enflées, mal aux reins, mal à la tête, hypertension, etc. Et plein de médicaments. Et voilà, alors après 48 heures, souffrance pratiquement. Il n'y a pas de plaisir. Alors que moi, c'est le contraire. Privation, une heure de plaisir de table, mais pendant 48 heures, alors là, c'est le plaisir total. J'ai aucun problème. Je peux me consacrer à la beauté de l'univers, d'observer un petit animal, etc. C'est vraiment, voilà, c'est la moralité à retenir. Boire ou conduire, il faut choisir. Et pour le reste, bien sûr, je fais toujours la même chose, comme je vous ai dit. J'ai ajouté quand même un petit plus de plus, voilà. Parce que là, comme je vous ai dit, au départ, il y a trois mois, je pouvais pratiquement pas plier, je pouvais pas soulever 100 grammes, rien du tout. Et grâce à tout ça, voilà, je travaille. Ça, c'était pas mal non plus, voilà, mais c'est moins fort. On n'a pas besoin de pousser autant. L'avantage, c'est que ça pousse de partout, vous voyez. Alors que là, c'est uniquement les poignets, voilà. Alors, après, toujours, bien sûr, le hula hoop, voilà, ça... Et puis, de mieux en mieux. Comme je vous ai dit, mon but ultime maintenant, c'est d'arriver que ça devienne automatique, parce que pour l'instant, c'est pas automatique, je réfléchis, hein. C'est pas mon corps qui le pousse, c'est mon cerveau, vous voyez, c'est ralenti, vite j'accélère. Donc, le jour où ça devient vraiment automatique, je ferai le Rubik's Cube en même temps. Alors là, ça sera génial. Hein. Et pour le reste, bien sûr, toujours pareil, je fais tous les jours. Et exprès, je mets pas le tapis. Comme ça, je suis obligée de glisser et puis je cherche après mon équilibre. C'est une difficulté supplémentaire. Voilà. Coucou bébé.
Alors, autre chose, là je suis fière de moi, parce que il y a 2-3 mois d'ailleurs, si vous avez le temps d'aller voir mes premières vidéos, là j'étais une zombie. C'est une vieille dame qui était bon pour voilà, partir déjà. Et comme je dis, je suis une miraculée. Mais à l'époque, j'avais aucune force en moi. Mon corps, il avançait pas. Je marchais comme ça. Je parlais comme ça. Pas de force là maintenant. J'ai la force à revendre. Et rien que pour ça, voilà, rien que pour ça, je mettais 1 heure pour monter. Voilà, 1 heure. C'est pas parce que c'était pas fonctionnel. Et ça marchait, tout marchait, mais il n'y avait pas de force. Il fallait vraiment une force surhumaine pour monter là. Voilà, rien que ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, regardez qu'est-ce que j'arrive à faire avec le minimum d'effort, comme je vous dis, pour le maximum de résultats. Là, je suis fière de moi. Regardez. Et j'ai l'équilibre, parce qu'au début, encore il y a 2 semaines, j'étais obligée de me tenir comme ça, et je faisais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De pas à pas, vraiment, regardez-moi ça. Et en même temps, ça permet de bien muscler les fessiers, les cuisses, voilà. Regardez, sans aucun effort. Là, je suis vraiment fière de moi. Et là, je dis, ça y est, ma vieille, là, tu as récupéré, c'est bon, hein. Après, bon, ben, tout le reste, ce que j'ai fait tous les jours, comme je vous ai dit, un petit peu de musculation, un petit peu de tout, voilà, pour dire, voilà, je fais quand même quelque chose. Maximum 10 minutes. Mais l'important, c'est que tout le corps, il travaille un petit peu, voilà. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas travailler que les bras et on oublie les jambes. Ça pas du tout. Même mieux encore, j'ai trouvé quelque chose contre l'insomnie. Génial. Avant, on disait compter les moutons. Il y a mieux que les moutons. Alors, vous commencez d'admirer chaque petite partie millimètre de votre corps parce que vous vous rendez compte, vous lui dites bouge et il bouge. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça bouge en 10 ans, 20 ans, 50, 80 ans. Et ça bouge. Jamais j'ai pensé à ça. Et à chaque petite partie, la nourriture que je mange, il fait le tour, il revient là. Mais c'est fantastique, rien que de penser. Alors, j'ai trouvé quelque chose. Tous les soirs, quand je me couche, je commence là. Je le dis merci pour son travail qu'il fait, et je demande bon Dieu qu'il continue comme ça de rester opérationnel en bonne santé, et centimètre par centimètre, et bien je vous dis, j'arrive même pas à la moitié et j'ai déjà dormi, ou est encore le corps entier, et puis le lendemain vous recommencez ailleurs, c'est génial, hein? Et bien tout est bon pour s'amuser. Alors un petit peu de musique quand même, oh, 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 ah ben là, voilà. Alors. Et ben voilà. Bon, pour le reste, je suis un petit peu quand même essoufflée. Bon, j'ai pas 20 ans. Ça vient.
Pour l'instant, j'ai 60 ans. Mais si je continue comme ça, j'ai intention de descendre jusqu'à 50 ans. Voilà. Ah, quand même. Bon, ben, pour le reste, pour le moral, je fais un petit peu de Rubik's Cube, un petit peu de lecture, un petit peu d'actualité. Et comme je dis, l'actualité, ça ne s'arrange pas. Et vraiment, vraiment, si ça continue comme ça, franchement, j'ai envie de m'expatrier chez les bonobos. Parce que là, ça, c'est plus marrant la vie quand même. Hein. Ils ne sont jamais tristes, vous avez remarqué, ils sont toujours contents. Ce n'est pas étonnant avec tout ce qu'ils font comme de travail dans la journée. Bon, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne santé et à très bientôt. Au revoir.